Bonjour à tous, alors je suis ici avec Nicolas. C'est moi. Tu vas bien? Ça va, impeccable. Alors là, on change un petit peu de région. Tu as déjà présenté un petit peu ce que tu étais occupé à faire ici dans le forum, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui, j'ai monté un magasin d'aquariophilie avec un peu une spécialité quand même pour les koi Japon, parce que si on est un peu pauvre dans la région centre. Donc j'essaye de booster un peu le niveau des koi en Indre-et-Loire. C'est ça, donc on est à Tours plus exactement. Oui, on est à Saint-Pierre-des-Corps exactement, au centre commercial de la Rabatterie. C'est un petit quartier où on a pu monter, avec le biais de mon associé, un magasin pour les passionnés des koi et de l'aquariophilie en général, pour tout ce qui est eau douce, eau de mer. C'est ça, donc on a un peu la diversité, bon il y a du choix ici. Oui, on essaye d'avoir quand même assez de choix, que ce soit sur les coraux, sur les poissons. C'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout sur l'eau de mer, d'avoir ce qu'on veut. C'est pas un supermarché, hein, la mer. Donc, et puis faire avoir une bonne diversité sur les koi pour satisfaire le plus grand nombre. Alors bon, tu travailles avec les États d'Occitanie comme fournisseur ? Oui, je travaille exclusivement, quasiment avec vraiment les koi des étangs d'Occitanie, avec Olivier, où j'ai vraiment un bon partenariat. On s'entend vraiment très bien, que ce soit avec Olivier ou avec Manu, je prends les koi de chez eux. Donc en fait, ça te donne aussi accès à tout ce qui se passe chez El Pacio. Voilà, ouais, aussi avec El Pacio, avec Nico de chez El Pacio, où c'est vrai qu'on peut avoir du matériel et avoir aussi de très bons conseils. Et de très beaux koi. Et de très beaux koi, ça, il n'y a pas photo. C'est ça, alors tes koi sont rentrés cette année, on peut les voir ici au travers des images. Hein. Oui, j'ai fait rentrer des koi pour montrer un peu ce qui se fait en koi Japon, aussi en koi d'élevage des étangs d'Occitanie, où ils ont du géniteur Japon, ce qui permet aussi d'avoir des koi à prix plus abordable. C'est ça, alors ce qui est important quand même à signaler, et ça intéressera plus d'un, on est dans la région de Tours ici, tu fais aussi les frottis, les analyses d'eau, etc. Voilà, ouais, le client qui a un problème avec sa koi, n'hésite pas à venir avec, on pourra faire le frottis, voir au microscope ce qu'elle a, et puis faire les analyses d'eau sans problème. C'est ça, aussi tu fais de la réalisation ? De la réalisation de bassin, oui, pas de problème. Moi j'ai réalisé mon bassin, donc je peux montrer à la clientèle ce qu'on peut sortir. Et bien sûr aussi des aquariums. Et des aquariums, construction sur mesure, et puis installation à domicile, que ce soit en aquariophilie, eau douce, eau de mer, il n'y a pas de problème. Alors bientôt, un site sera disponible ? Ouais, un site est en cours d'élaboration, donc ce sera disponible avec des photos, pas mal de photos, de reportages, il y aura ce qu'il faut. Ça va bouger ? Ça va bouger, ouais. Alors bah, comme ça, bah, on dit toujours qu'il n'y a rien dans le centre, non, c'est plus le cas. Bah voilà. Donc voilà, et puis ça sera koi37.fr. C'est ça, koi37.fr, donc on va lancer ça prochainement, dans les jours qui viennent. Éminemment, bientôt Ça devrait plus tarder, je pense. Et ben voilà, Koi 37, de toute façon, vous allez retrouver ça sur Aquatechnobel. Hein, sur Aquatechnobel, ça va me permettre de parler un peu plus du koi que je faisais pas trop avant, et pouvoir se faire connaître et avoir du beau poisson à distribuer dans le centre. Alors, bon, si vous avez de belles réalisations dans le centre, n'hésitez pas à contacter Nico ici. Et puis, on aura l'occasion certainement de revenir faire un petit coucou ici chez toi. Ouais, pas de problème. Et puis, d'aller voir un petit peu les réalisations à gauche et à droite. Voilà, en espérant qu'il y en ait beaucoup. Ben voilà, et bien, écoutez, n'hésitez surtout pas à contacter. Bon, un numéro de téléphone peut-être. Alors, le 02 47 53 28 21. Le magasin est ouvert le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, 15h-19h, et le samedi toute la journée de 10h à 19h. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein, Ouais, bon, pour l'instant, je vois pas d'autre à rajouter, en espérant qu'il y ait du monde. Et ben voilà, et puis bon, moi, je vous dis, ben voilà, vous avez un souci avec vos koi, etc. Vous avez des petits soucis de qualité d'eau, des choses comme ça. Vous avez le conseil ici, et puis voilà, c'est ce qui manquait beaucoup le plus dans la région. Ouais, c'est ce qui se manquait sur l'Indre-et-Loire. C'est vrai qu'on n'a pas de magasin spécialisé koi et du beau koi Japon. Et ben voilà, Nico, je te remercie en tous les cas pour ta gentillesse et puis ton accueil. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait ce petit reportage. C'est vraiment... je pense que ça va bien aider quand même le magasin. Et puis, si vous venez dire bonjour à Nico, surtout, ne soyez pas sage. Salut à tous.
Thank you.